Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, nous qui parlons cette belle langue de Molière et nous qui se faisons endoctriner par les gens qui utilisent la langue de Molière pour endoctriner. Ça a l'air d'être facile d'endoctriner dans la langue de Molière. Je ne sais pas si c'est la langue qui permet l'endoctrinement ou si c'est la population qui parle la langue de Molière qui est facilement endoctrinable et plus naïve. Je vous laisse répondre à cette question-là. Chers amis, c'est samedi... Et des oui déjà. Et enfin, ce samedi 16 mars 2018, 7h15 heure du Québec, parlant d'endoctrinement, la course présidentielle de 2020 aux États-Unis se dessine déjà. Les, les démocrates sont à la recherche d'un chef. Hein, ils sont rendus peut-être déjà une douzaine. Et les douze candidats dont je vous parlerai à un moment donné ont tous le même agenda, naturellement. Ils sont du même parti. Hein, mais. Le plus frappant, c'est que les douze commencent toujours et se sont tous présentés hein, comme étant là pour affronter la plus grande menace pour l'humanité, les changements climatiques. <laughs> c'est incroyable. Il y a juste la gauche qui pense qu'elle est capable d'arrêter les changements climatiques. Hein, c'est parce que c'est les plus grands justiciers des temps modernes, les gauchistes, les social-médiocres. C'est ceux qui n'ont pas été capables d'éliminer quelque injustice que ce soit ou quelque iniquité que ce soit. Parce que leur idéologie est fondée sur un leur, le socialisme. Et ces gens-là se présentent parce que c'est tous des fumistes, avec l'idée que eux, oh, ça y est, la plus grande menace, vous devez nous élire. Hein? C'est comme les vendeurs ambulants. Qui terrorisaient les villageois. Vous devez acheter mon produit si vous voulez rester en vie. Il y a tellement, tellement de maladies, de microbes, que seulement mon élixir vous gardera en vie. <laughs> C'est incroyable. Et il n'y a que eux qui vont être capables de sauver le monde. Hein? Ils sont tous à... Il faut, faut, être, faut, faut être rationnel dans la vie. Là, tu les entends, ils sont tous là avec le... Green New Deal, hein, ils font la promotion de cette idéologie complètement, complètement farfelue, dans laquelle on veut bannir le hamburger parce que les ruminants sont à l'origine, à avec leur flatulence, <laughs> d'une partie tellement minime d'émanation de méthane, apparemment, c'est un, un ridicule. Je peux vous dire une chose, c'est vrai que le ridicule tue pas. Et là, on est là à essayer de convaincre les Américains qu'il faut bannir le hamburger, la viande, parce que les ruminants flatulent et ça va réchauffer la planète. Mais on ne parle pas des 300, 400 ou 500 ou un demi-milliard de vaches sacrées en Inde. Ah, oh, celle-là, elle ne flatule pas. <laughs> C'est tellement ridicule. <coughs> J'aimerais vous rappeler que les accords de Paris ont été signés par tous nos gouvernements Globaliste, mondialistes, et que la Chine et l'Inde ont dit Êtes-vous malade? On signe pas ça, nous autres? Les deux plus grands pollueurs n'ont pas signé les accords de Paris. Pensez-y deux secondes. Puis avant de parler d'un sujet absolument que je veux vous partager qui est hallucinant, je veux juste vous rappeler, hein, les alarmistes et les sens sensationnalistes que tout est cyclique. Ça, c'est le livre d'histoire du Québec et du Canada, des origines à 1840. Ça, c'est le, le livre d'histoire qu'on utilise ici euh, dans notre programme scolaire au Québec. Pour, par exemple, ça, c'est pour mon fils, en secondaire 3. Écoutez ce qu'on y lit. Au début, ça, c'est entre 30 000 et 1500 ans passés. Il y a environ 30 000 ans, un refroidissement climatique fait apparaître un passage terrestre appelé la Béringie entre l'Asie et l'Amérique, qui auraient été empruntés par des Homo sapiens. Cette théorie, la plus documentée sur les migrations à l'origine du peuplement de l'Amérique, explique que les groupes d'Homo sapiens nomades se seraient aventurés sur ce territoire en suivant des troupeaux d'animaux. Ici, on parle d'environ y environ 30 000 ans. Prochain paragraphe. Puis, il y a près de 15 000 ans, un réchauffement climatique ah, tiens, tiens, tiens. entraîne la fonte des glaces. Et la formation d'un passage qui permet aux nomades d'avancer vers le centre du continent. Ah! <laughs> Progressivement, ces groupes de nomades se déplacent vers le sud, puis vers l'est du territoire actuel des États-Unis. Par la suite, le déploiement des groupes d'humains se poursuit vers le nord-est de l'Amérique. <coughs> Pardon. Une, riche, une région riche en rivières et en lacs, bordée de grandes forêts, ils y trouvent d'abondantes ressources animales végétal pour se subvenir à leurs besoins et après ça la glace est revenue et ce fameux passage est redevenu l'Antarctique ou l'Arctique plutôt. Donc tout est cyclique et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut rationaliser. Enfin, là il y a une histoire assez hallucinante qui s'est produite en Russie, un mystère alors que des insectes tombent du ciel lors d'un blizzard en Russie. Les habitants de Balacheka en Russie ont été témoins d'un phénomène vraiment étrange. La neige blanche était, était littéralement recouverte par de petites créatures noires, des puces de neige ou des puces des neiges tombées du ciel. Les habitants ont signalé que des insectes étaient en train de tomber et de recouvrir les rues et la base de la ville militaire. Les experts estiment qu'un groupe d'insectes aurait été introduit dans la région lors du passage d'une tempête cyclonique le 12 mars 2019 et aurait pu être transporté du sud, peut-être du Kazakhstan. Il y a des images de ça, il y a deux liens vidéo que je vais vous partager dans la boîte de description. Aussi, allez vous abonner à mes deux autres chaînes, vous allez trouver des liens dans la boîte de description. Concernant l'histoire, d'ailleurs, je vais commencer. Sur l'autre chaîne, d'informateurs, je l'avais déjà fait, là, a... mais je vais continuer. Je vais faire des capsules historiques sur la Nouvelle-France, les amis. Donc, vous allez trouver ça vraiment intéressant. Surtout pour vous, les cousins français, là, parce qu'on est des cousins. Hein? Vous avez déjà été propriétaire de l'Amérique, de la Nouvelle-France, mais vous avez choisi la Guadeloupe. <laughs> Donc, j'imagine que vous vous en mordez les pouces aujourd'hui. Ce phénomène étrange a déjà été signalé auparavant, en février 2016. Des milliers de ces insectes ont également recouvert la neige dans les districts d'Alexinski, euh, de Shenlinski et de Surovski, Suvorovski, pardon, dans la région de Toula. Donc il y a deux liens. Euh, L'invasion ne venait pas du ciel dans ce cas-là, mais du sol ou du sous-sol. De, euh, de nombreux insectes étaient intéressés par la neige et le froid apparemment, c'est nouveau ça. Hein? Un ciel vraiment étrange et un phénomène souterrain vraiment étrange aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est vraiment euh, intéressant, mais c'est vraiment aussi révélateur des temps qu'on vit en ce moment. Il y a des choses étranges qui se passent, il y a des signes qui sont là, hein? souvent qu'on retrouve dans des événements comme celui-là qui nous... portent à croire qu'on s'en va vers quelque chose de majeur, des changements majeurs, ou que des cataclysmes majeurs s'en viennent. Moi, je vous avais dit il y a quelques jours, il a, selon les modèles habituels de tempêtes géomagnétiques et de magnétisme qui nous viennent du Soleil, ça provoque souvent qu'à 24 à 48, 72 heures, après ces tempêtes-là et ces vents solaires-là qui touchent la, la Terre, ça provoque des événements majeurs. Ben, on a eu un tremblement de terre hein, en Bolivie, 6.2. Et il y aura d'autres activités, et c'est comme ça, et c'est toujours comme ça, et ça va s'accentuer parce qu'apparemment, notre magnétosphère est en affaiblissement. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Je me demande comment les politiciens gauchistes, socialistes, vont faire pour arrêter le renversement des pôles maintenant. Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils sont capables de renforcer la magnétosphère? <laughs> c'est toutes des questions auxquelles ils devront répondre dans les prochains débats. À la chefferie.